Bonsoir tout le monde. Donc ça c'est la dernière conférence de notre première journée et c'est un énorme plaisir pour moi d'accueillir professeur Uwe Meyer-Henrich. Comme vous pouvez deviner par son nom, c'est un compatriote à moi, donc ça veut dire qu'il a fait ses études en Allemagne. Donc d'abord il a fait une thèse à l'université de Brême en Allemagne et c'est une thèse en chimie physique. Ensuite, après la thèse, il est parti en postdoc dans le centre de biophysique moléculaire à Orléans et aussi au laboratoire pour utilisation du rayonnement électromagnétique à Orsay. Donc ça, c'était entre 2000 et 2001. Après, il a passé ce qu'on appelle l'habilitation. Donc là, il est retourné en Allemagne en physico-chimie à l'université de Brême. Il a enchaîné sur un poste CNRS à l'université Nice Sophia Antipolis, où il a été aussi en 2005 recruté en tant que professeur et il est actuellement professeur de classe exceptionnelle dans cette même université et il dirige un laboratoire dont les travaux sont extrêmement originaux et donc c'est une des raisons pourquoi on l'a invité pour ce soir, parce que vous avez tous entendu parler de la mission Rosetta Filiae et donc lui il s'intéresse à la chimie dans les comètes ou sur les comètes ou avec les comètes et c'est quelque chose qui est extrêmement lié à la brisure de symétrie parce que comme vous savez il y a toujours cette grande question, ce grand point d'interrogation sur d'où vient la homochiralité sur la Terre et une des hypothèses c'est que ça a été importé par des comètes. Et donc l'occasion de cette mission Rosetta c'était de vérifier s'il y avait au sein des comètes déjà une brisure de symétrie. Donc lui, il regarde ça sous l'œil d'un chimiste analyticien. Ça veut dire que c'est extrêmement compliqué de démontrer une brisure de symétrie à cette échelle-là. Et donc, c'est des travaux qui sont très, très originaux. Il a fait beaucoup d'efforts aussi en termes de vulgarisation de ses travaux. Il a fait plein d'émissions télé, plein d'émissions à la radio, des journaux de vulgarisation. Et donc c'est un sujet qui intéresse plus ou moins tout le monde, donc c'est la raison pourquoi il est là ce soir. Il a bien sûr aussi eu un impact énorme dans la communauté scientifique plus restreinte, donc ça veut dire en chimie. La liste de ses publications est énorme, donc si on ouvre sa page web, on devient extrêmement jaloux, parce que le nombre d'articles dans des journaux a très très grand impact, et c'est une liste presque infinie, y compris des journaux comme Nature, comme Science. Ce qui démontre un peu l'importance de ses travaux. Il a reçu aussi des prix pour ses travaux. Il a écrit des livres sur ses travaux, donc des livres de vulgarisation que je vous recommande fortement. Donc je ne vais pas retarder davantage le plaisir de l'écouter ce soir. Il vous a distribué des lunettes. Je ne sais pas ce qu'il a exactement prévu de ce qu'on va faire avec ces lunettes, mais il va vous donner les instructions. Donc c'est avec grand plaisir que je lui laisse la scène pour les prochaines 50 minutes pour qu'il nous introduit un tout petit peu dans la chimie des comètes et comment on arrive à déceler éventuellement une brisure de symétrie dans cet environnement-là. Uwe, please. Merci pour cette introduction. Merci Alexandre. Vous parlez très bien français. Après 20 ans. La première mauvaise nouvelle pour vous, moi je ne parle pas le français comme Alexandre. Donc essayez de me suivre, je fais le maximum et j'essaie de me prononcer lentement pour qu'on puisse se comprendre. Sinon, vous pouvez aussi parler en anglais si vous voulez. Oui, donc ma présentation ce soir est séparée dans deux parties. La première partie, c'est notre partie expérimentale. Il faut suivre ces parties pour rentrer dans cette deuxième. Cette deuxième partie est liée à la sonde Rosetta et son atterrisseur Philae, qui a visité un noyau cométaire, qui atterrit sur le noyau cométaire avec un appareil qu'ils nous ont construit, c'est une GCMS. Et je vais vous présenter après des émissions, et c'est pour ça que j'avais distribué la lunette en 3D, les émissions en 3D du noyau cométaire dans l'espace, devant nos caméras, devant la caméra de Philae, de Rosetta, etc. Mais avant de rentrer dans cette partie Rosetta, il faut que vous me suivez dans la première partie de ma présentation, et ça c'est une partie
pour que j'essaie de vous transmettre les informations scientifiques qu'on attend de la mission cométaire aux États. Donc nous, dans le laboratoire, depuis 10 ans, nous avons essayé de simuler un noyau cométaire artificiel. On a essayé de produire quelques microgrammes de comète dans le labo et faire des analyses de caractérisation physico-chimique de cette matière artificielle qui peuvent être après comparées avec le résultat réel de la sonde Rosetta. Donc la première partie, il faut me suivre. Et après, vous avez le plaisir. Donc, ça c'est le titre, vous avez vu mon nom. Oui, désolé, sur chaque diapo, je vais vous mettre mon nom familial. Parce que le nom familial est relativement compliqué, et moi je voudrais bien que vous le réteniez. Donc ça c'est celui-là. Ça c'est mon université. Ça c'est vous. Vous avez vu, non vous n'avez pas vu, mon université, l'université Nice-Sophia Antipolis, qui est un des meilleurs, non, des plus beaux universités en France, je dirais même en Europe. Cette université, l'université Nice-Sophia Antipolis, est devenue l'année précédente, 2016, l'université d'excellence. Et nous avons maintenant obtenu un nom qui s'appelle l'université Côte d'Azur. Moi, je suis le 2. UNS et Université Côte d'Azur. Et vous avez remarqué, je suis déjà excité parce que je vais présenter devant vous, et je donne une deuxième source d'excitation que je ne peux pas vous cacher, et cette source d'excitation vient directement de Paris, du Emmanuel Macron, qui vient de nommer, vous le savez, Frédéric Vidal, notre présidente de l'université Nice-Sophia Antipolis, comme ministre de la recherche en France. Donc c'est une très bonne nouvelle, pas seulement pour l'UNS et nous à Nice, mais également pour la France, parce qu'elle a de qualité extrême, cette Frédéric Vidal. Voilà, on peut rentrer dans cette première partie de la présentation. Là, vous voyez une comète. La comète ici, ça s'appelle Hale-Bopp. Et la grande question qui nous intéresse en tant que chimiste en astrophysique et dans le comète et dans le système solaire, d'où vient la molécule organique? D'où vient la première liaison entre atome de carbone et un deuxième atome de carbone? Est-ce que cette formation de molécules organiques aura lieu sur Terre, dans l'hydrosphère par exemple, ou dans l'atmosphère? Ou est-ce que cette première formation de molécules organiques a déjà lieu dans l'espace, dans le nuage moléculaire? Et ça, c'est notre hypothèse de travail. Nous, on pense que toutes les molécules organiques viennent de l'extérieur pour que, finalement, la vie peut commencer sur Terre. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un noyau cométaire. Le noyau, vous ne voyez pas, le noyau de cette comète est même plus petit que le bouton rouge du laser que vous voyez là-bas. C'est 1 000 000 fois plus petit que ce bouton. Le noyau cométaire a quelques kilomètres en taille, et ici vous avez une queue cométaire, c'est la queue de poussière, et cette queue de poussière a une taille de quelques centaines de millions de kilomètres. Vous avez déjà remarqué, il y a, si vous voulez, une asymétrie là-dedans, vous n'avez pas seulement la queue de poussière, vous avez aussi cette queue-là, et ça c'est la queue de plasma, et la queue de plasma a une couleur qui est bleue, et cette couleur bleue vient de quelques lignes d'émission des ions qui se trouvent dans cette queue de plasma, notamment des ions de monoxyde de carbone de cation, donc des ions CO+. Donc vous comprenez tout de suite, là-dedans, toute cette couleur bleue vient de cation CO, CO+, donc le carbone a besoin d'une source. Et la source de cette carbone, du monoxyde de carbone, n'est pas le soleil avec le vent solaire qui va provoquer la formation de cette queue plasmatique. La source de carbone qui nous donne cette couleur bleue dans le CO+, c'est bien sûr le noyau cométaire. Donc oui, il y a déjà des informations, des indicateurs que le noyau cométaire contient beaucoup de carbone.
Ici, une autre image dont on peut parler pendant des heures, c'est le deux queues. Ça, c'est la queue type 1, ça, c'est la queue type 2, ça, c'est le plasma, ça, c'est la queue de Poussière. Et deux mécanismes différents pour produire ces deux queues-là. C'est pour ça qu'ils ont une orientation différente. Tous les deux queues sont de l'autre côté du noyau cométaire par rapport au Soleil. Donc, le Soleil se trouve à gauche et le Soleil provoque que les deux queues sont dans cette sens ici. Donc, pour comprendre le processus physico-chimique du noyau cométaire, on utilise un modèle d'un professeur Greenberg. Greenberg, il était professeur à l'université de Leiden, en Pays-Bas, et nous avons collaboré avec lui très proche. Donc, Mario Greenberg a développé son modèle sur le noyau cométaire, ou sur le comète en général. C'était la personne avec reconnaissance mondiale la plus connue sur la connaissance des comètes. Et Greenberg dit, dans le nuage interstellaire, vous avez quelques petites particules, et ils les appellent le poussière. Le poussière, donc, sont très petites, ils sont plus petits qu'un millimètre, plus petits qu'un même micromètre, ils ont une taille un dixième de micromètre. Ça correspond à environ 100 nanomètres, disons. Ça, c'est cette matière-là, donc ça, c'est de la matière inorganique, et ça, c'est connu. Et c'est également connu par plusieurs techniques d'observation. Qu'en phase gaz autour, dans le milieu interstellaire, il y a plusieurs molécules, comme ici, cette molécule ici, qui s'appelle le... Ma première question à vous. Comment elle s'appelle, cette molécule ici? Oui, ça c'est le CO2, le dioxyde de carbone. C'est une molécule qui est linéaire. À côté, vous avez le monoxyde de carbone, le CO. On a déjà parlé du CO+, dans la queue plasmatique. Ici, vous avez une autre molécule qui est coudée, qui n'est pas linéaire. Cette molécule, bien sûr, c'est l'eau. Vous avez le méthanol. Et ici, vous avez quelques autres molécules. Toutes ces molécules ici sont, attention, en phase gaz. Parce qu'en phase gaz, je peux les observer. Je peux les observer en infrarouge, parce que ces molécules, elles font de rotation, elles font de vibration. Et ça, ça laisse observer en phase gaz. Je peux également observer par radio, astronomie. Donc tout ça, en phase gaz, c'est connu. Maintenant, Greenberg, il dit, les molécules en phase gaz, ils vont condenser sur ces petits grains et ils vont former des couches de glace, des manteaux de glace. Et pendant la condensation de ces molécules, pour devenir en phase réfractaire, en phase solide, pendant cette condensation, ces molécules, ils sont irradiées par la radiation cosmique. Et la radiation cosmique, c'est parfaitement connu. On connaît bien l'intensité de photons, l'énergie et même la polarisation. Là, je vais vous dire qu'est-ce que c'est la polarisation de cette lumière ici. Donc majoritairement, la radiation cosmique contient bien sûr la radiation électromagnétique, donc tout ça, c'est extrêmement connu aussi. L'hypothèse maintenant que toutes ces molécules, ils vont faire quelques photoréactions en phase condensée. Et ça, on ne peut pas observer par des télescopes parce que ça, c'est en phase réfractaire, en phase solide. Et là, nous n'avons pas accès avec des moyennes infrarouges et radio. Donc, avec Greenberg, dans le laboratoire, nous avons maintenant recréé notre noyau cométaire, maintenant artificiel. Et nous avons, après Greenberg, utilisé le condition le plus connu qu'on peut utiliser, le plus normal, disons. Donc, ici, vous voyez quelques molécules, vous le connaissez déjà, l'eau, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, ammoniac et méthanol. Toutes ces molécules ici ne contiennent pas de liaison carbone-carbone, pas de liaison carbone-azote. Vous avez seulement les molécules que j'appelle les unités C1 et les unités N1. Donc, ces unités C1 et N1 sont condensées par ce tube-là sur une surface ici. Cette surface ici, Alexandre, est très froide. 12 Kelvin. C'est plus froide que l'Allemagne. C'est à cause de moins 261 degrés Celsius. Donc ça, c'est la température ici. Ça, c'est la température interstellaire. Ça, c'est l'hélium liquide. Donc, les molécules, ils vont condenser là-bas. Et pendant la condensation, ils sont irradiés avec la radiation électromagnétique. Dans notre premier modèle, on a utilisé la radiation électromagnétique, c'est une longueur d'onde. H nu égale 10,2 électronvolts. Ça correspond à 121 nanomètres, et ça c'est la ligne qui s'appelle la ligne Lyman-alpha. Donc ça c'est une ligne, ça c'est une énergie de photons qui est très connue d'être présente dans le milieu interstellaire. Donc nous avons le photon de cette énergie-là, et tout ça bien sûr se trouve dans le vide. On a le spectromètre infrarouge, ainsi de suite.
Ici, vous avez notre appareil, la chambre à vide, avec température plus froide que l'Allemagne à l'intérieur, un tube de déposition, et ici, une lampe ultraviolet à lame alpha pour l'irradier. Après 24 heures de production de notre comète artificielle, nous avons pris l'échantillon et fait une analyse. Et l'analyse a donné ces résultats-là. Grande surprise, publiée dans l'année 2002, c'est un chromatogramme couplé à un spectromètre de masse. Donc le chromatogramme va dire, vous avez des analytes qui vont sortir, donc chaque signal que vous voyez, chaque pic que vous voyez, correspond à une analyte, à une molécule. Tout ça commence donc avec un temps de rétention relativement tôt, autour de 4 minutes. Non, je commence avec les autres. Ici, vous avez des acides aminés comme alanine. Ala, c'est alanine. La glycine, l'acide aminobutyrique, la valine, bêta-alanine, la proline, l'acide aspartique, l'acide, tout ça, ce sont les acides aminés. Vous avez déjà remarqué qu'il y a un autre acide aminé, celui-là, c'est le premier acide aminé qui sort, et ça, c'est l'acide aminé qui nous donne un signal le plus petit. Comment ça s'appelle? Oui? Courage. J'ai entendu le nom. Donc, je recommence. Ala, c'est alanine. Ser, c'est sérine. Pour la France maintenant. La France et le républicain entre vous. Ça, bien sûr, c'est, ça s'appelle... Sarkozine. C'est Sarkozine, bien sûr. Stéphane. Oui, et les socialistes entre vous, il ne faut pas trop rigoler parce que j'ai des autres blagues sur François Hollande qui vont venir après. Donc, vous avez bien compris, le plus petit, et celui qui sent premier, c'est Sarkozine. Donc, ici, vous avez une autre famille des acides aminés. Je vais revenir plus tard. Donc, ça, c'était bien sûr un résultat qui était extraordinaire. Nous avons 16 acides aminés dans un échantillon qui nous représente un noyau cométaire artificiel. Avant de le publier, on se dit, personne ne va nous croire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On a répété cette manip dans le laboratoire, et nous avons remplacé tous les ingrédients qui contiennent du carbone par le carbone avec des isotopes de carbone 13. Le CO, le CO2 et le méthanol avec 100% carbone 13. Nous avons répété cette condensation, irradiation, et encore nous avons trouvé 16 acides aminés. La grande question maintenant, c'était la suivante. Est-ce que les 16 acides aminés, avec le manip carbone 13, contiennent du carbone 12? Ça veut dire que ce sont les contaminations de quelques professeurs qui rentrent dans le laboratoire et qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'il faut toucher et qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher avec leurs propres mains. Ou est-ce que les acides aminés contiennent du carbone 13? Et ça, c'est l'épreuve ultime que les acides aminés viennent de petites unités C1 qui nous ont mis là-dedans. Et ça, c'était le résultat, et je vais le présenter à vous. Donc, premier acide aminé que vous voyez là-bas, c'est la glycine. Avec certaines intensités, et vous avez la masse moléculaire de notre dérivé de la glycine à une masse 175, et ici, quelques fragments. À droite, vous avez une autre colonne qui contient maintenant l'échantillon carbone 13. Ça, c'était carbone 12. Dans l'échantillon carbone 13, vous avez la masse 177. Ça veut dire que dans notre glycine, il y a deux atomes de carbone qui ont été remplacés, carbone 12 par carbone 13. Donc c'est parfaitement la glycine qui était produite par les isotopes carbone 13, du CO, CO2, méthanol, ammoniac et de l'eau. Donc je insiste un peu sur ce travail sur les isotopes parce que moi-même je trouve ça remarquable. Je trouve ça c'est la science. Ça, c'est la beau science, si vous voulez. On peut remplacer, on peut travailler avec des isotopes dans notre manip. Après, j'ai des autres exemples. On peut changer l'intensité de photons. Je peux changer l'énergie de photons. Je peux travailler sur la polarisation de photons. Donc, je peux faire la science dans le laboratoire pour comprendre qu'est-ce que c'est un noyau cométaire. Après, je vais vous présenter le résultat de la sonde Rosetta.
sur Rosetta. On a fait cet atterrissage, nous avons pris des échantillons. Bien sûr, c'est extrêmement bien aussi. Mais sur Rosetta, je ne peux pas remplacer quelques isotopes pour comprendre le mécanisme de formation des acides aminés. Je ne peux pas travailler avec la lumière circumpolarisée, etc. Donc moi, personnellement, j'adore ce manip-là à côté de centre spatial de l'agence spatiale européenne Rosetta. Donc, le résultat, oui, ça, c'était extraordinaire. En France, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le Monde, par exemple, débrique du vivant dans un cosmos artificiel. Ils ont dit, après notre publication, sur ce travail-là. Après ce travail, donc, c'était publié en 2002, nous avons obtenu beaucoup de financement. Et on s'est équipé avec des techniques qui sont révolutionnaires en chimie analytique et en chimie physique. Et la technique, ça s'appelle la chromatographie en phase gazeuse, mais cette fois-ci multidimensionnelle. Ça, j'imagine, vous ne connaissez pas. Donc ici, vous avez une première colonne capillaire avec quelques analytes à l'intérieur. Ici, vous avez une deuxième colonne capillaire, aussi avec des analytes qui rentrent. Et avec cette technologie-là, je n'ai pas le temps de l'expliquer. On peut séparer les analytes qui sont symbolisés ici comme alpha, comme bêta et comme gamma, qui ne sont pas très bien séparés sur cette dernière ligne-là, qui représente la chromatographie en phase gazeuse classique. Mais dès que je fais la chromatographie multidimensionnelle, comme illustré ici, je peux séparer alpha de bêta et de gamma. Et je trace le temps de rétention en fonction de temps de rétention. Je trace le temps en fonction du temps. Si vous avez des questions, c'est ça, on peut le discuter après. Ici, un chromatographe multidimensionnel que nous avons enregistré à l'Université de Nice, Sophie Antipolis, et parce que j'adore ce chromatographe, vous le voyez ici, le temps en fonction du temps, et chaque signal correspond à un acide aminé. Ce qui est très beau dans cette technologie-là, donc c'est la chromatographie multidimensionnelle qui s'appelle GC-GC, et on peut le coupler, et c'est ça que nous avons fait, coupler à la spectrométrie de masse. Donc, pour chaque pixel de ce chromatogramme, j'ai aussi le spectre de masse derrière. Donc, ma question prochaine à vous. Vous avez remarqué, il y a quelques signaux là-dedans qui donnent deux signaux, comme ici. Qu'est-ce que c'est? Très bien, ce sont pas les isotopes, cette fois-ci ce sont les énantiomères, ce sont les molécules chirales, les molécules droite et gauche qui nous ont séparés par l'utilisation d'une colonne capillaire qu'on appelle chirale qui est énantioselectif. Donc avec cette technologie-là, on ne peut pas séparer seulement les acides aminés, on peut aussi séparer les énantiomères et les identifier et les quantifier. Donc nous avons utilisé cette technologie pour notre glace interstellaire simulée dans le laboratoire. Et ici, je vous présente la fenêtre, parce que oui, ça c'est extraordinaire, entre 54 minutes et 62 minutes. Et là, vous voyez plein de signaux. Chaque signal correspond à un acide aminé. Il y a plusieurs signaux qui ne nous ont même pas encore identifiés. Ici, vous avez un signal qui correspond à la glycine, qui s'appelle aminoéthylglycine. La molécule n'est pas chirale, donc vous avez un signal cellulaire. Et une autre qui me plaît beaucoup, c'est l'acide 2,4-diaminobutyrique. Cet acide est chiral. En conséquence, vous avez deux énantiomères, une première et une deuxième énantiomère. Donc on peut séparer les énantiomères avec cette technologie-là. La technologie de la chromatographie multidimensionnelle est extrêmement performante, donc à partir de maintenant, de l'année précédente, on peut même séparer la molécule de sucre avec cette technologie-là. Et le chimiste entre vous, ils savent très bien, la chimie de sucre est complexe. Vous avez plein d'isomères de constitution, de stéréisomères derrière. Donc avec cette technologie, je peux le séparer. On a analysé notre glace, cométaire, artificielle avec cette technologie, et ce qu'on trouve, c'est extraordinaire, on trouve le ribose dans la glace cométaire. Et là, donc, je trouve les acides aminés, je trouve les acides diaminés que vous avez vus, et maintenant je vous présente l'identification du ribose dans la glace cométaire artificielle. Le ribose dans cette glace. Là, vous me dites, oui,
Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce jeune homme? Parce qu'il a une technique qui est très sensible aux petites quantités. Donc, parce qu'il a cette technique-là, bien sûr, il va trouver quelques molécules comme le ribose. Dans 20 ans, il va avoir une autre technique et il va nous éventuellement identifier un nucléoside. Et après, il va trouver un nucléotide dans la glace intercellaire. Mais ça n'a pas l'importance parce que les quantités de ces molécules, elles sont minimes. Ça, ce n'est pas correct. Parce que la quantité de sucre donc, que nous avons trouvé dans cette glace-là, plus les alcools de sucre, plus les acides de sucre, correspondent à 3,5% du glace cométaire. 3,5%. Donc je, dans cet exemple-là, je ne suis pas dans l'analyse de traces ou dans l'analyse des ultra-traces. Je ne suis pas dans le ppb, par exemple, le part per billion. On trouve le sucre, le pourcentage. Donc la glace cométaire est pleine de sucre. Voilà, nous avons aussi des tableaux comme ça pour le chimiste. Donc vous avez des kétoses, vous avez des aldoses, vous avez le sucre C2, C3, C4, C5, et le ribose qui est ici, c'est un sucre C5 qui fait partie des aldoses. Et ça c'est aussi une image qui est agréable parce que vous voyez, je trouve le ribose, mais je ne trouve pas exclusivement le ribose. Je trouve le ribose à côté des autres aldopentoses qui sont la ravinose, xylose et luxose. On n'était pas encore très avancé. Donc, les molécules que nous avons identifiées dans la glace cométaire artificielle simulée dans le laboratoire sont les acides aminés, les acides diaminés, le sucre comme le ribose et quelques aldéhydes aussi. Pourquoi ces molécules sont particulièrement intéressantes vis-à-vis de la biologie, de l'évolution, etc. Ici, vous avez une partie de l'ADN, là, vous avez une partie en protéine. Parce que je viens de Nice, je vous donne une protéine concernant les odorants et l'olfaction. Il y avait un long débat en science qui avait dit qui était premier, est-ce que c'était l'ADN ou plutôt la protéine. Et Walter Gilbert, prix Nobel de l'Université Harvard dans l'année 86, il a dit que ce n'est ni l'ADN ni le protéine. L'ADN et le protéine ont été précédés par des autres molécules qu'il appelait le ARN. Donc il a parlé de RNA world, et là vous avez cette molécule-là. Mais Walter Gilbert, il a aussi dit, dans ses publications et dans ses présentations, l'ARN a bien précédé l'ADN et le protéine, mais l'ARN, comme indiqué ici, n'était pas la première molécule génétique sur Terre. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup d'équipes de recherche du renommé aux États-Unis, en Europe et en Japon qui essayent d'identifier et caractériser la première molécule génétique sur Terre. Et ici, je vous avais donné deux candidats. Les deux candidats, on les appelle les acides peptidiques nucléiques, APN, donc avec une certaine logique entre APN, ARN et ADN, et ici vous avez cette molécule de l'APN. Le chimiste entre vous, vous regardez dans cette molécule-là, et vous voyez déjà en rouge, ça c'est notre acide 2,4-diamino-butyrique. Et cet acide, nous avons identifié dans la comète artificielle. Un autre candidat, c'est celui-là, et vous avez aussi une molécule d'APN qui contient aminoéthylglycine, ici en rouge. Donc les monomères des APN, on trouve dans la glace cométaire simulée. Ce qui est beau dans cette molécule-là, des APN, vous pouvez créer, et ça qu'on fait, des duplex, des hybrides entre cette molécule APN et une molécule ARN. Donc vous faites APN, ARN, et vous avez Watson-Crick base pairing, obeyed. Donc ça fonctionne, ce que vous avez vu dans la présentation avant, entre AET, CG, etc. C'est pour ça que ces molécules APN ont été proposées comme première molécule génétique sur Terre.
Je ne veux pas vous cacher, il y a des autres candidats. Il n'y a pas que ces deux molécules-là. On a une douzaine de candidats maintenant qui font cette fonction. Donc nous, on travaille beaucoup sur la notation de l'azimuthrée et de la chiralité. Donc, vous êtes avec moi, vous dites, oui, dans son glace artificiel, il trouve les acides diaminés, le ribose et des aldéhydes, et beaucoup de ces molécules sont chirales. Donc maintenant, je voudrais utiliser l'information sur la chiralité pour encore avancer. Jeremy Bailey a publié dans Science, dans l'année 98, que la radiation électromagnétique, dans cette formation, ça s'appelle Orion Molecular Cloud numéro 1, où les étoiles se forment, la lumière, la radiation électromagnétique qui est là, n'est pas symétrique. Vous avez la lumière qui est, ça s'appelle, circulairement polarisée. Donc vous avez des photons avec un champ électrique, et ce champ électrique d'un photon circule autour de l'axe de translation. Et ça s'appelle la lumière circulairement polarisée à droite. Et il existe aussi la lumière circulairement polarisée à gauche. Dans nos publications, on parle pas exclusivement de la lumière circulairement polarisée, on dit aujourd'hui ce sont le photon chiro. Comme vous connaissez le molécule chirale, nous avons maintenant le photon chiro, le photon droite et le photon gauche. Et le photon chiro existe dans le milieu interstellaire. Donc pour nous, c'est évident maintenant de refaire notre manip initiale, maintenant dans le synchrotron Soleil, où nous avons accès au rayonnement synchrotron, ça veut dire le photon chiro, qui vont remplacer notre source initiale du Lyman alpha 121 nanomètres. Donc on veut créer les acides aminés avec un excès énantiomérique utilisant le photon chiro qui ont transféré leur azimuthrée vis-à-vis de molécules. La difficulté dans cette manœuvre, vous savez bien que le photon n'a pas de masse. Les molécules comme les acides aminés, ils ont bien de la masse. Donc est-ce qu'on peut, la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut transférer la chiralité, l'azimuthrée de photons qui n'ont pas de masse vers les molécules qui ont bien de la masse? Oui, pour répondre à cette question, il faut rentrer en photochimie. Donc imaginez, vous avez la lumière circulante polarisée à droite, le photon droite, et un énantiomère d'un acide aminé alanine, droite, D. La question, est-ce que le D-alanine va absorber la lumière circulante polarisée à droite? La réponse de physico-chimiste, de photochimiste entre vous est... Le D-alanine peut bien absorber le photon, ça va dépendre de l'énergie du photon. Question prochaine, qu'est-ce que va faire l'énantiomère L de l'alanine, l'énantiomère gauche, avec la lumière circulante à droite? Même réponse, l'énantiomère L peut bien ou non absorber le photon droite, ça va dépendre de l'énergie. En fait, moi-même, je ne suis pas intéressé à cette absorption ou à cette absorption. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une différence de deux absorptions? Et c'est ça que j'appelle l'absorption différentielle. Si vous voulez, delta A. Est-ce qu'il y a un delta A? Et votre réponse sera pareil. Le delta A va être fonction de longueur d'onde. Oui. Donc c'est ça qu'il faut mesurer. Delta A en fonction de longueur d'onde. Et le photochimiste entre vous savent bien, ça s'appelle le dichroisme circulaire. Donc il faut que je mesure maintenant le dichroisme circulaire de tous les acides aminés et de molécules chirales que nous avons identifiées. On a regardé dans la littérature, et ça date de l'année 2010. Grande surprise, le chercheur mondial, ils ont mesuré le dichroisme circulaire en fonction de longueur d'onde pour l'acide aminé alanine. Donc c'est l'acide aminé, l'archétype des acides aminés, et ce que vous voyez ici, c'est ça. Il n'y avait personne qui avait mesuré le dichroisme circulaire de notre alanine au-dessous de 190 nanomètres. Parce qu'ils ont toujours mesuré le dichroisme circulaire de l'alanine en solution. Dans notre nuage interstellaire, on est bien convaincu qu'il n'y a pas les acides aminés en solution. En conséquence, nous avons mesuré le dichroisme circulaire des acides aminés en phase condensée, en phase solide. Et ce que vous voyez, là, vous avez le résultat. Donc la photochimie asymétrique des acides aminés aura lieu au-dessous de 190 nanomètres. Ici, c'est l'eau qui absorbe. Et nous, pour la première fois, nous avons visualisé, si vous voulez, l'asymétrie
de la photochimie entre 130 et 190 nanomètres, qui n'était pas visible avant. Si vous rentrez après, pour tous les acides aminés, et si vous rentrez plus en détail maintenant dans le mécanisme de transfert de l'azimuthrie de photons vers la molécule chirale, c'est pas seulement le delta A qui joue, qui est là-bas, c'est un autre facteur qui est important, et ce facteur s'appelle G, et ça c'est l'anisotropie. L'anisotropie, c'est delta A sur A, et pour l'anisotropie, c'est aussi valide, on peut dire G est fonction de longueur d'onde. Donc nous avons fait, si vous voulez, une petite découverte, ce que nous avons appelé la spectroscopie d'anisotropie, qui était neuf, déjà le nom était neuf, parce qu'avant, tout le monde avait identifié le facteur d'anisotropie à une longueur d'onde donnée, à une énergie donnée. Voilà, et maintenant, vous avez pour la première fois accessible l'anisotropie de G, delta A sur A, en fonction de longueur d'onde, et la beauté de spectroscopie d'anisotropie qui est possible à faire maintenant dans le synchrotron du monde, vous avez une information sur l'excès énergique qui on peut induire dans l'analyte, dans l'acide aminé, alanine dans ce cas-là, en fonction de longueur d'onde. Et ça, vous ne voyez pas dans la spectroscopie du dichrosme circulaire. Donc ça, c'est notre avantage de spectroscopie d'anisotropie. Maintenant, vous comprenez, si je fais ça pour tous les molécules chirales, tous les acides aminés et tous les autres molécules chirales aussi, et après on trouvera dans le milieu interstellaire, par exemple avec Rosetta, un alcool qui est présent avec une certaine excentrique, et un acide aminé qui est aussi présent avec une autre excentrique. Je peux utiliser la spectroscopie anisotropie pour comprendre si l'excès endogène à l'origine était provoqué par des photons chiraux. Donc si vous avez compris ça, c'est très bien. Nous allons continuer cette manip avec le synchrotron soleil au sud de Paris. Vous avez la radiation synchrotron, vous avez les électrons qui tournent. La radiation synchrotron qui est émise par un ondulateur, vous avez toute la longueur d'onde, vous avez plusieurs filtres, un miroir, ici un polarimètre, et ce qui arrive ici, c'est la radiation électromagnétique, dans ce cas la radiation synchrotron, qui arrive sur notre support, fluorure de magnésium, une température plus froide que l'Allemagne, 12 Kelvin. Et ici, vous voyez quelques molécules, les unités C1 et N1 qui en condensent, maintenant avec le photon chiro. Donc encore, on a 16 acides aminés qui vont se former. Ici, c'est l'exemple de l'alanine, résolu en chromatographie multinominale. Et là, à droite, vous voyez, cet échantillon est irradié avec la lumière cyclone polarisée à gauche, donc avec le photon gauche. Ça, c'était irradié avec le photon droite. Et ici, on a utilisé le photon qui était non polarisé. Donc la réponse à la question que j'avais posée il y a 5 minutes, oui, on peut bien transférer la chiralité de photons, de la radiation électromagnétique qui n'a pas de masse, vers quelques molécules organiques comme, dans cet exemple ici, l'acide aminé alanine. Donc ça c'est notre hypothèse pour expliquer l'azimétrie moléculaire du vivant. La question, pourquoi le protéine contient les acides aminés gauche et pourquoi l'acide désoxyribonucléique contient le ribose en configuration droite. Oui, c'est un peu compliqué. Il y a un journaliste du Monde chez nous qui avait compris qu'il y a des météorites, donc ce n'est pas le météorite, on parle des comètes qui contiennent les acides aminés qui tombent sur Terre et il y a la lumière circumposée qui est impliquée. Vous avez de la vie positive et négative. Oui, c'est un peu flou ce qu'il avait présenté là-bas dans le Monde. Donc, mais ce qui est important, bien sûr, en bref, la vie sur Terre est de gauche. Voilà. Ça, c'est la première partie de ma présentation qui va vous rentrer dans cette thématique noyau cométaire, glace cométaire et la mission Rosetta. Maintenant, deuxième partie sur Rosetta. Vous savez qu'est-ce qu'on peut espérer de trouver après l'atterrissage sur le noyau cométaire, les acides aminés, les acides diaminés, le sucre, je l'ai déjà dit plusieurs fois. On peut éventuellement séparer les enantiomères, travailler sur l'excès nanoïque et comprendre la formation de premières molécules organiques dans l'univers.
La sonde Rosetta. Moi, je travaille dans cette, à la mission Rosetta depuis 20 ans. Ici, vous voyez la sonde Rosetta avec le panneau solaire. Un type vers l'autre type s'inclut 32 mètres. Donc la sonde est relativement grande. 32 mètres. Et ici, une module qui s'appelle Payload Support Module. Sur cette module ici, nous avons mis tous les appareils scientifiques. La sonde Rosetta contient 10 appareils scientifiques. Et tous les 10 appareils scientifiques, on les a ici. Nous avons par exemple quelques appareils qui vont essayer de capturer quelques petits grains cométaires et après faire des photos de ces grains, après les ioniser, la spectrométrie de masse, pour comprendre quelles molécules sont là-dedans. Nous avons des caméras dans toute la longueur d'onde. Ça commence dans l'infrarouge, ça va par le visible, l'ultraviolet, ça va dans le rayon gamma. Donc avec toute la longueur d'onde, on essaie d'obtenir l'information sur le cométaire. Nous avons même un AFM embarqué sur la sonde Rosetta. AFM, c'est un Atomic Force Microscope en espace, opérationnel. Dernière fois, récemment, on m'a posé la question, quelle instrumentation scientifique vous n'avez pas utilisée? Et ma réponse était RMN. Et une deuxième, RAMON. On n'a pas utilisé du RAMON. On a utilisé une fois rouge, mais pas du RAMON. Donc, 10 appareils scientifiques ici. Et là, vous voyez le petit atterrisseur qui s'appelle PhilAE. Le moment où PhilAE était attaché à la sonde Rosetta. Les dimensions sont 2 mètres, 2 mètres, 3 mètres. Ici, vous voyez les trois personnes qui ont fixé PhilAE à la sonde Rosetta. Ici aussi, vous avez l'image avec là-bas la caméra qui était construite en Italie, qui s'appelle Virtis, qui va regarder dans l'infrarouge vers le nouveau cométaire. Deux autres caméras qui ont appelé Osiris, construites à Max Planck en Allemagne, qui ont regardé dans le visible et dans l'ultraviolet, qui vont regarder vers le nouveau cométaire. Et là, vous avez l'atterrisseur PhilAE avec les trois jambes. Ici, en configuration voyage, les trois jambes, cette jambe, celle-là, ils vont se déployer pour arriver en configuration atterrissage. Ici, c'est configuration voyage. Ma troisième question maintenant à vous. Pourriez-vous identifier l'erreur dans cette image? Stéphane. L'erreur est la suivante. Là, vous avez les appareils scientifiques, Virtis, les deux caméras Osiris, avec le panneau blanc là, qui regardent vers le noyau cométaire qui est supposé d'être ici. L'atterrisseur PhilAE a les trois jambes qui anticipent que l'atterrisseur PhilAE, que le noyau cométaire est en bas. C'est-à-dire que PhilAE était fixé 180 degrés. Faux. Donc il y avait une erreur dans la sonde Rosetta. Et ici, vous avez les trois responsables, numéro 1, numéro 3. Donc, 2004, il y avait décollage. Il y avait plusieurs survols de la Terre après Mars. Deuxième sur Terre, Steins. C'était le premier passage par la ceinture des astéroïdes. Troisième survol Terre. Et maintenant, on est déjà arrivé à Lutetia. Et je vous invite d'atterrir sur le noyau cométaire maintenant avec moi. Vous n'avez pas encore besoin de vos lunettes. Dès que vous avez besoin de lunettes, je vais vous dire, vous voyez une petite image avec des lunettes là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Ça, c'est une astéroïde. Astéroïde, ça veut dire que c'est notre deuxième passage dans la ceinture des astéroïdes. Deuxième passage. L'astéroïde s'appelle Lutetia. Son dimension, 120 km. Tous les appareils de la sonde Rosetta ont été allumés, pas du tout parce qu'on était intéressé aux astéroïdes, mais seulement pour tester les appareils. Donc ici, par exemple, on a identifié un cratère, un autre cratère, et quelque chose comme glissement du terrain sur une astéroïde qui a une taille de 120 km. Ce sont quelques résultats un peu intéressants, oui, pour les astrophysiciens.
pour moi, beaucoup plus parlant, c'est cette image-là. Donc chaque cratère sur l'astéroïde a obtenu son propre nom du temps où Paris était appelé Lutetia. Donc quel était le nom de Bordeaux au temps que les gens ont parlé de Lutetia? Vous avez vu là-bas? Très bien. Vous êtes à côté de chez moi. Moi je suis Nisaea, vous êtes ici. Ce sont les deux cratères les plus beaux de notre astéroïde. Vous voyez un autre cratère qui est beaucoup trop grand, qui n'est pas très bien défini. Et ça c'est Massilia, bien sûr. La sonde a été mise pour 2 ans et demi en hibernation, 2011. 2014, il y avait le réveil. Le réveil, c'était compliqué parce que c'est arrivé avec 40 minutes de retard et on avait déjà de souffle court pendant le 40 minutes. Là, il y avait des réflexions, est-ce qu'éventuellement on avait perdu Rosetta. Ça, c'était 2014. Et aussi en 2014, vous voyez maintenant la première image du noyau cométaire obtenu par la caméra Osiris. NAC, c'est Near Angle Camera, et l'autre c'est Wide Angle Camera, WAC. Near Angle Camera, Rosetta voit le noyau cométaire ici. Donc on était sur le bon, sur une trajectoire qui était correcte. 14 juillet 2014, on s'approchait du noyau cométaire et le choc arrive. On n'a pas anticipé ça. À Marseille, vous avez un astrophysicien très connu, Philippe Lamy, qui a calculé, qui est capable de calculer la taille du noyau cométaire. Et sur notre noyau cométaire, il a prévu une taille de 5 km fois 4 km fois 3 km. Ce que nous avons vu ici, c'est celui-là. Ce n'est pas du tout 5 fois 4 fois 3. Quand cette image est arrivée, il y avait deux groupes de chercheurs. Un groupe de chercheurs avec les appareils sur l'orbiteur Rosetta qui ont crié par joie parce que pour eux c'était sûr. Ils ont pour 10 ans ou pour 20 ans encore du matériau pour comprendre la structure morphologique par exemple à la surface. L'autre groupe de personnes, et moi je faisais partie de ça, de ces groupes-là, ce sont les gens qui sont impliqués dans l'atterrisseur Philae. Chez nous, on était choqués, on était consternés, on avait peur. Comment peut-on atterrir sur un noyau cométaire de ce type-là? On ne savait même pas si le centre gravitationnel se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du noyau cométaire. Il y a des questions, où se trouve le pôle Nord? Il est là-bas. Est-ce qu'il y a un équateur de ce noyau cométaire? Oui, l'équateur est ici. On peut calculer maintenant par un modèle 3D les rotations de cette noyau cométaire. La période de rotation, c'est 12 heures. C'est 2 jours cométaire comme correspond à un jour, une journée terrestre. Et vous voyez bien, notre noyau cométaire contient 2 lobes. Donc pour moi, ça c'est de ma carrière scientifique. Depuis 20 ans où je suis impliqué en Rosetta, ça c'est l'image la plus jolie que j'ai jamais vue. En science, l'image du noyau cométaire de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Le petit lobe, le grand lobe et la surface entre les deux lobes. Le petit lobe à droite avec une falaise qui a une hauteur de 800 mètres. La zone intermédiaire et le grand lobe. Quand je dis falaise, il faut savoir que notre vocabulaire qu'on utilise n'est pas du tout adapté au noyau cométaire, parce que ce n'est pas une falaise. La densité du matériau cométaire est 0,4 grammes par centimètre cube. 0,4. La densité de l'eau est 1, la densité de minéraux, c'est autour de 4. Donc le matériau ici, le matériau cométaire, est plus léger que l'eau. Si vous le mettez sur l'eau, ça flotte sur l'eau. C'est 10 fois plus léger par rapport aux minéraux. Donc si je parle de la falaise, ce n'est pas du tout une falaise. C'est plutôt la densité de polystyrène que nous avons là-bas. Et ça, c'est en cohérence avec le modèle de Greenberg que je vous avais présenté il y avait 20 minutes, avec le petit poussière cométaire. Chaque poussière cométaire a son propre manteau de glace, et toute cette petite
poussière avec manteau de glace vont agglomérer pour former un noyau cométaire. Donc un noyau cométaire, comme vous le voyez, là-bas, n'a pas l'intérieur de minéraux avec une surface de l'eau à l'extérieur. Vous avez de petites poussières, chaque poussière a son propre manteau de glace. Ça, c'est notre modèle de formation d'un noyau cométaire. Là, c'est le grand lobe, le petit lobe à droite. Vous avez déjà remarqué, je mets toujours mon nom familial pour que vous le reteniez. Ça, c'est la seule image où j'ai également mis mon prénom. Mon prénom, c'est Uwe. Et vous remarquez, sur le noyau cométaire déjà, le U, le W, et avec un peu d'imagination, moi, je vois aussi le E. Ici, une image avec quelques rochers, qui ne sont pas des rochers parce qu'ils sont beaucoup plus légers, qui semblent accoler à cette surface-là, par de vecteurs gravitationnels dans ce sens-là. Ici, vous avez des autres rochers qui semblent accoler là-bas. Donc, vous avez des vecteurs gravitationnels à la surface, mais aussi à l'extérieur du noyau cométaire, qui sont dans les autres sens, pas du tout comme une sphère. Ici, image de la caméra SIVA sur l'atterrisseur Philae. Donc ici, c'est Philae. On voit la sonde Rosetta et un panneau solaire et le noyau cométaire avec deux lobes. Le noyau cométaire, une simulation avec notre sonde spatiale Rosetta. Le noyau cométaire s'approche du Soleil. Le noyau cométaire va devenir plus et plus actif. À ce moment-là, il faut que je vous dise, vous avez maintenant les images de la sonde Rosetta, l'atterrisseur Philae, le noyau cométaire. On a volé en première orbite autour de 30 km, deuxième orbite 20 km, troisième orbite 10 km proche du noyau cométaire, 10 km. Après 2015, nous avons volé de distance de 6 km. Finalement, la sonde Rosetta a fait un atterrissage aussi, comme Philae, sur le noyau cométaire. Donc on parle de 30, 20, 10 et 6 km. Ce sont les distances typiques de la sonde Rosetta à l'extérieur du noyau cométaire. Quand on parle de ces distances-là, il faut encore savoir que Rosetta n'est pas la première mission cométaire. Il y avait une autre mission, il y avait plusieurs missions, une autre notamment avant, de l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle Giotto. Giotto, c'est une mission européenne qui a visité la comète 1P Halley. Une comète plus connue que 67P chez Oyemov-Gerasimenko. Halley. Halley était visitée dans l'année 86. Halley est une comète qui s'appelle rétrograde. Ça veut dire Halley, c'est une comète qui rentre dans l'écliptique de planète par l'autre sens et pas avec. Donc Halley a une vitesse relative par rapport à la Terre de 68 km par seconde. 68 km par seconde. Donc la sonde Giotto, qui était lancée en 86, a une vitesse relative par rapport à noyau comète Halley qui arrive, 68 km par seconde. Sur Giotto, il y a une caméra, HMC, Halley Multicolor Camera, construite au Max Planck, là où j'étais. Cette caméra était à l'extérieur de Giotto, et Giotto, la sonde Giotto, a tourné autour de l'axe de translation, direction noyau cométaire, a tourné. La caméra HMC a pris une photo, une rotation. Deuxième photo, rotation. Troisième photo, rotation. Donc c'est pas simple de contrôler cette caméra qui est à l'extérieur de Giotto qui tourne. À une distance de 2000 km du noyau cométaire, la sonde Giotto était frappée par une poussière cométaire. Donc il n'y avait plus de rotation, il y avait un mouvement qu'ils appellent une nutation. À 1800 km du noyau cométaire, une deuxième poussière qui frappe dans la sonde Giotto, il y avait une nutation de deuxième degré. Et maintenant, vous pouvez imaginer comment c'est difficile de faire des photos en certaine résolution du noyau cométaire si vous êtes embarqué sur un appareil qui ne fait pas de rotation, mais une nutation de deuxième degré. À une distance de 1500 km, la lentille de cette caméra était frappée par une poussière cométaire et était cassée. Donc, les meilleures images que nous avons de l'année 86 du noyau cométaire, les premières images du noyau cométaire, l'épreuve qu'il y a une existence de noyau cométaire, viennent d'une distance entre 2000 et 1500 km. Ils ont mis plusieurs images, ils ont mis ça, les images pour obtenir une certaine résolution.
année entre 1500 et 2000 km. Ça, c'était la technique dans cette époque-là, il y a 30 ans. Aujourd'hui, avec Rosetta, on fait des orbites 30 à 20 km et après, on arrive à 6 km. Donc ça, c'est le moment pour dire aussi, la mission Rosetta, c'est un grand succès de l'Agence spatiale européenne, aussi parce que avant, il y avait la sonde Giotto. Sans Giotto, il n'y aurait pas Rosetta. Donc, dans Rosetta, il y avait beaucoup de chercheurs, de PI, qui ont géré l'appareillage scientifique, qui ont déjà travaillé ces Giotto. Pendant les 30 ans, ils ont donné, si vous voulez, leur responsabilité à une équipe de plus jeunes chercheurs qui a continué avec Rosetta. Donc ça, c'était une mission qui n'était, Rosetta, c'était une mission qui n'était pas seulement très internationale, c'est aussi une mission qui était très intergénération. Et sinon, ça ne fonctionne jamais. Donc maintenant, c'est le moment pour prendre les lunettes en 3D. Vous avez, le chimiste entre vous, vous avez remarqué, les lunettes sont pro-chirales. Ça va être... Comme ça, c'est pro-chiral. Et vous pouvez faire comme ça ou comme ça. Donc vous faites une brisure de symétrie, si vous voulez. Et moi, je vous conseille de le mettre comme ça pour que vous avez le bleu à droite, comme c'est marqué là-bas aussi. Donc vous prenez le lunette avec bleu à droite et vous voyez le milieu cométaire. Vous laissez votre cerveau un peu travailler pour que vous vous adaptez. Et vous pouvez voir vraiment que c'est une image en 3D. Vous pouvez bouger votre tête aussi. Bougez un peu, comme ça vous voyez bien, oui, c'est en 3D. Donc, le noyau cométaire, de deux lobes. Le grand lobe, c'est ici, zone intermédiaire, le petit lobe, avec cette falaise, 800 mètres en altitude. On s'approche maintenant du noyau cométaire avec des structures morphologiques qui sont extrêmement intéressantes. Les structures circulaires, comme par exemple celui-là, ne sont pas des cratères. Ce sont les structures qui on explique par sublimation de molécules volatiles à la sous-surface et après le terrain est tombé vers l'intérieur du noyau cométaire. En anglais, ça s'appelle sinkhole. Il n'y a aucun cratère qu'on peut déterminer sur la surface du noyau cométaire. Ici, vous voyez maintenant que le noyau cométaire s'approche du Soleil, donc le noyau cométaire va devenir actif. Au début, l'activité était mesurée surtout dans cette zone intermédiaire, comme vous l'avez là-bas. Après, nous avons beaucoup des images où des autres zones ont devenu actives aussi. Une diversité de structures morphologiques à leur surface. Il y a quelques structures qui sont plutôt glissées, il y a l'autre qui semble plutôt à des roches. Quelle est l'échelle ? 5 km. La taille totale du noyau cométaire est 5 km. La longue, la grande axe est de 5 km du noyau cométaire. Ici, vous avez un rocher qui est utilisé pour la navigation de la sonde Rosetta. Et là, vous avez à gauche la structure que vous connaissez déjà, le U, le W et un peu dans le noir, le E. Le noyau cométaire est actif et ici, vous voyez là une zone cométaire qui est active. Par contre, la zone intermédiaire dans cette image-là n'est pas très active. Ça, c'est une cliff qui s'appelle Aswan. Là, vous voyez dans cette cliff, dans cette structure d'une cliff, dans cette falaise ici, il y a une partie qui risque de tomber. Et c'est ça qui est arrivé quelques mois après, cette image a été prise. Ça s'est publié cette année, 2017, Nature Astronomy. Donc là, vous voyez cette structure qui n'est plus là et qui correspondait à 1000 tonnes. On a précisément déterminé aussi le moment de cette... oui, j'ai dit glissement, mais ce n'était pas glissé, parce que le 1000 tonnes de cette matériau-là,
vous le trouvez maintenant pas à la surface ici, vous le trouvez dans l'espace. Donc ça c'était une activité du New York Cometer qui était pour la première fois liée à cet événement ici. Dans Science, il y avait une édition spéciale en janvier 2015 et dans cette édition, vous avez les informations avant l'atterrissage. Donc actuellement, on est encore avant l'atterrissage. Le petit lobe, le grand lobe. Le grand lobe a obtenu, donc Rosetta, vous connaissez l'origine du mot Rosetta, le grand lobe a obtenu la structure morphologique de cette lobe, a obtenu le nom de Dieu de la mythologie égyptienne. Le petit lobe, tout ça, ce sont le nom de déesse de la mythologie égyptienne. Entre grand lobe et petit lobe, il y a une grande fissure, 500 mètres en taille, 2 à 3 mètres en épaisseur. Donc le New York Cometer risque de tomber en deux comètes. On est encore avant l'atterrissage. Imaginez, le noyau cométaire tombe en deux parties. Nous sommes là avec Rosetta et il faut décider quel noyau suivre pour l'atterrissage. On n'était pas du tout préparé à des questions de ce type. Ça, c'est une de ces sinkholes. Quand l'image était publiée ou vue pour la première fois, les gens de l'Institut Max Planck, ils ont dit, les astrophysiciens, pour eux, c'est une image très importante parce qu'ils ont dit, pour la première fois, on peut voir taille 200 mètres fois 200 mètres aussi la profondeur de cette structure, sinkhole et 200 mètres. On voit ici ce qu'ils ont appelé pour la première fois, quand ils ont vu ça, les œufs de dinosaures. Donc vous voyez ici des structures qui sont relativement régulières, 2 à 3 mètres en diamètre. Et les astrophysiciens pensent d'avoir vu ici pour la première fois les structures de cométésimales qui vont après former les comètes. Donc ici, vous regardez directement dans la formation de notre système solaire. Vous voyez, l'activité commence ou augmente dès que le noyau cométaire s'approche du Soleil. Donc l'activité augmente. Dans la sonde Rosetta, nous avons deux appareils qui sont appelés Star Tracker. Les deux appareils ils vont regarder dans le ciel cométaire, dans la nuit cométaire, pour identifier la position des étoiles. Les deux Star Tracker, c'est important pour orienter la sonde Rosetta dans les trois axes de l'espace. Une fois, on se dit, on va tourner la sonde Rosetta pour que la sonde Rosetta va regarder avec les caméras Osiris, dans cet exemple-là, dans le ciel cométaire. Et on a pensé de voir les étoiles. Ce qu'on a vu ici, on n'a pas vu des étoiles, on voit plus que 350 particules qui sont originaires du noyau cométaire. Quatre fois, les deux Star Tracker, ils ont perdu l'orientation parce qu'il y avait trop de poussière. Quatre fois, on a remarqué ça, la sonde Rosetta était manœuvrée à une distance de 1000 km autour du noyau cométaire. Les deux Star Tracker, ils ont été éteints, réallumés, ils se sont réorientés et après cette manœuvre, quatre fois avec succès, on a revisité le noyau cométaire à une distance par exemple de 10 km. Deux fois, on avait presque perdu la sonde Rosetta à cause de manœuvres de ce type-là. Ici, vous avez un appareil construit en Italie qui s'appelle Gaia. Ça, c'est un appareil pour identifier, pour caractériser quelques poussières cométaires. Là, sur une surface de 10 cm x 10 cm, vous faites une laser curtain. Donc là, vous avez de laser et le laser va vous donner un signal dès que vous avez de particules cométaires qui rentrent. Ici, vous avez quatre balances qui sont appelées QCM, Quartz Crystal Microbalances. Donc le balance de quartz. Le balance, ils sont dans les autres directions. Donc dès que vous avez quelques particules qui rentrent, vous pouvez dire de quelle direction il vient, etc. Et vous pouvez caractériser après. À droite, vous avez au centre le noyau cométaire, une orbite 10 km, une deuxième orbite 20 km, une troisième orbite sphérique de 30 km. Le point rouge indique la position où cet appareil a trouvé quelques particules. Donc aujourd'hui, le travail qui continue de Rosetta est de dire ce particule ici vient de quelle structure morphologique du noyau cométaire. Donc on essaie de le relier, le particule que nous avons trouvé sur Rosetta avec des structures sur le noyau cométaire. Ça, ce sont les images de microscope à force atomique. Ici, une image de Cosima. Donc, vous voyez, il y a 10 appareils sur
la Centre Rosetta avec une target, des grains cométaires qui sont rentrés. Ici, ils ont été illuminés par la droite. Ici, le même cluster de particules a été illuminé par la gauche. Et après, on peut avec une source de indium, on peut l'essayer de les ioniser et faire la spectrométrie de masse avec ces particules-là. Donc, ça c'était la partie Rosetta. Maintenant, on a encore 5 minutes pour l'atterrissage. Ici, vous avez l'atterrisseur Philae. Philae contient 10 appareils. Ces amènes dans le pied, vous avez les 3 pieds, dans chaque pied un vis de glace. Vous avez 2 harpons au centre pour fixer Philae à la surface. Vous avez Concert, Ptolemy, un spectromètre de masse, et COSAC. COSAC, c'est notre appareil, un GC-MS. À l'autre côté, vous avez un mucus, c'est une... Comment tu sais ça ? Un clou, je crois, avec un marteau à l'intérieur, qui pousse le clou, tac, 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 dans l'intérieur de la surface cométaire. Ici, le 2 harpons. Et le 12 novembre 2014, c'était la journée de l'atterrissage. Moi, j'étais à Cologne. À Cologne, à la DLR, il y a le Landa Control Center, LCC. Donc, l'atterrisseur Philae était contrôlé par Cologne. Il y a également à Darmstadt et à Toulouse, le SONC. Et à Paris, il y a beaucoup de centres en Europe qui ont été impliqués. Ici, vous avez l'ellipse de l'atterrissage et ici, la surface. Là, vous voyez la deuxième plus belle image de ma carrière scientifique, Philae qui s'est séparé de la sonde Rosetta, avec les trois jambes dépliées, le photo pris par Rosetta. Photo, l'autre sens, Philae voit la sonde Rosetta avec le panneau solaire. Tout va bien. Philae tourne pendant le 7 heures d'atterrissage, kilomètre relatif 1 mètre par seconde, 20 km distance. Ça tourne pour stabiliser Philae autour de l'axe de translation. Tout c'était bien, une rotation tous les 8 minutes. Un photo pris par Philae, par la caméra Rosie, Rolis en Philae. Ici, vous avez un pied de Philae. Et le noyau cométaire arrive. Tout ça en 3D. Le noyau cométaire qui arrive avec les 2 jambes de Philae. Le noyau cométaire arrive. Ça c'est pas une séquence originale, ça c'est une séquence qui était calculée après. Le grand photo a été pris par Philae, vous le voyez ici, cette photo-là. Cette photo a été prise par Philae, le grand photo, par Rosetta. On voit exactement là, on va atterrir, exactement où on voulait. À Cologne, on avait du champagne. À Paris, Cité des Sciences, François Hollande, il a vu l'atterrissage Rosetta en 3D. Il était capté par ses émotions, il a pris le microphone à la Cité des Sciences et il a dit... ça c'est un succès énorme de la sonde Rosetta, c'est une mission internationale avec tous les pays européens qui ont participé. Un pays tout seul ne peut jamais arriver à une mission comme ça, comme l'Allemagne toute seule, comme la France toute seule. Il a complètement raison. Donc moi je peux vous dire, je regrette beaucoup que les Anglais qui ont aussi contribué à la sonde Rosetta maintenant vont provoquer le Brexit. Je prends ça presque personnel parce que la sonde Rosetta, nous avons plein de présentations aussi en Angleterre pour expliquer en recherche, ça fonctionne seulement au niveau international. Voilà, et François Hollande, il était complètement d'accord avec ça, il était ravi. Par contre, nous, à Cologne, nous avons vu des autres images. On a attendu à ce moment-là une image d'une caméra stéréo après l'atterrissage sur le noyau cométaire. Et nous avons vu ça. Explication, Philae est rebondi. Ici une image avant, après, l'image de différence, vous avez le trace de 3 jambes, mais Philae n'est plus là. Philae a rebondi, et maintenant il faut que je fasse une très brève introduction de notre appareil, donc c'est une chromatographe en phase gaz, couplée à un spectromètre de masse. Les échantillons arrivent par ici, et nous allons essayer donc, parce que la transmission du signal du noyau cométaire via Rosetta vers la Terre a duré 30 minutes. Un signal retour aussi 30 minutes.
ça veut dire une heure pour communiquer. En conséquence, nous avons une première séquence qui est nécessairement automatisée. Et notre appareil dans cette séquence automatisée, First Science Sequence, FSS, était allumé, si vous voulez, après 20 minutes, touchdown. On a pensé après 20 minutes, vous avez une molécule volatile, quelques poussières du noyau cométaire qui sont en phase gaz dans la coma cométaire et on veut le inhaler seulement par le spectromètre de masse, par cette ligne ici. Ici, je prends cette ligne-là. Là, on veut inhaler quelques molécules du noyau cométaire par notre appareil, juste par le spectromètre de masse, pas par le commando. Donc ici, vous voyez trois spectres de masse. Un enregistré le 16 octobre, et vous voyez en masse 18, c'est l'eau, 28, c'est le monoxyde de carbone CO, et à 44, le CO2. Donc après 10 ans de voyage, les trois molécules ont été encore détectées par l'appareil. Ce sont les contaminants dans la sonde Rosetta. Et les autres appareils, ils ont aussi ces trois molécules. Ça, c'était après l'atterrissage. Et le 20 minutes après touchdown, rebondissement sur une altitude de 500 mètres dans le vide. À ce moment-là, nous avons enregistré avec notre appareil ce spectre masse ici. Je zoome là-dedans. Et ici, en noir, vous avez ce que nous avons enregistré. Et en orange, vous avez ce que nous avons calculé. Donc nous avons calculé un spectre de masse qui était reconstitué pour fitter le spectre en noir. Et pour ce calcul, nous avons utilisé 16 molécules. Les 16 molécules sont ici. Et là, vous les avez. Les alcools, carbonyl, amine, nitrile, amide et les isocyanates. Donc ça, c'est notre résultat principal de la sonde Rosetta. Le voyage de Philae a continué. Philae a atterri dans une zone ici. Philae a transmis des photos du noyau cométaire à une distance de 50 cm. Ça, c'est le pied de Philae. Ça, c'est la surface cométaire. L'âge de cette surface est de 4,56 milliards d'années. Ça, c'est l'âge de notre système solaire. Par un artiste, Philae, après atterrissage, devenu couverture de Science, et Philae a été trouvé après par la sonde Rosetta dans une position pareille. Dans cette position, Philae a enregistré 420 spectres de masse de notre appareil qui en est enregistré après un chromatogramme. Après 60 heures, les batteries sont devenues vides. Et ça, c'était la fin de la sonde Philae. L'agence européenne a dit que c'est quand même un grand succès, la sonde Rosetta, et notamment l'appareil COSAC, qui n'a pas seulement essayé d'identifier les molécules organiques dans le noyau cométaire, mais qui a également essayé de séparer et de quantifier les énantiomères. Donc ça nous intéresse beaucoup parce que la recherche de l'espace doit être innovante, et on a été invité par la sonde, par l'Agence spatiale européenne d'inclure notre appareil dans une autre mission qui s'appelle ExoMars et qui va partir 2020, ce mars. Je rédigeais ça dans deux livres, un livre sur les acides aminés, un deuxième sur le comète. Beaucoup de personnes ont contribué à ce succès, donc beaucoup de grands merci à ces personnes-là et un grand merci à vous pour votre attention. Merci.